Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette pochette pour crayon en forme de crayon. Elle est absolument pas du tout compliquée à réaliser, même au contraire, très rapide, très facile également. Donc personnellement, j'ai pris trois couleurs. J'ai commencé par le rouge pour la base. J'ai fait du blanc, jaune, rouge et j'ai fini avec un bouton. Alors je vous dirai honnêtement, vous savez que je ne suis pas douée en couture. Si vous êtes douée en couture ou que vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, c'est ici à la fermeture. Je vous conseillerais franchement, c'est une fermeture éclair. Ce serait beaucoup plus pratique et plus simple. Une fermeture éclair qui prendrait donc les deux côtés. Comme je ne suis pas du tout douée en couture, donc je ne vais pas faire un massacre, j'ai préféré simplement donc m'adapter à ce que je sais faire. J'ai mis un bouton, j'ai fait des mailles chaînettes pour ensuite pouvoir donc fermer ma trousse. La trousse, donc, je l'ai fait un peu plus grande, comme je vous explique dans le tuto, que le crayon, que les crayons que je désire y mettre. Vous pouvez également, durant le tuto, vous verrez en faisant un petit peu plus petit, en le faisant un peu plus petit, vous pouvez en faire un biberon, c'est assez joli la forme également. Là, c'est plus crayon, et que si vous le faites un peu plus petit, ça fait plus genre biberon, c'est assez sympa également. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors avant de continuer pour pouvoir vous aider, alors ma base à moi fait 6 cm. La hauteur, sans compter, je ne compte pas la partie du haut, donc juste la base ici, fait 15 cm. Donc si vous suivez les mêmes nombres de tours, c'est ce que vous obtiendrez. Vous aurez besoin, donc pour ça, vous aurez besoin d'une pelote de fil coton 4 de fil d'art en blanc. Le blanc, parce que c'est la couleur principale, donc vous voyez, il me reste encore un petit peu. Mais vous ferez bien une bonne pelote. Vous aurez également besoin toujours du fil coton 4. Une en rouge. Donc moi j'ai fait le haut du crayon en rouge, un petit peu au centre et le fond. Et un petit bout de toujours fil coton 4 en jaune. Je l'ai crocheté, au lieu de crocheter avec le crochet numéro 4, comme je le fais d'habitude quand j'utilise ce fil, je l'ai fait avec le crochet 3,5 pour que le point soit un petit peu plus serré. Donc ça, c'est ce que vous aurez besoin. Vous aurez également besoin de... Je l'ai perdu, voilà, il est là. D'un petit marqueur de tour, parce qu'on va travailler en spirale. Vous aurez également besoin, donc, si vous n'êtes pas dans la couture, ben, comme moi, d'un petit bouton ou autre chose pour pouvoir fermer les deux parties ensemble. Et si vous êtes dans la couture, donc une fermeture éclair. Sous la description de ma vidéo, je vais vous mettre le lien direct pour le fil coton 4. Donc, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur le fil coton 4. Il ne vous reste plus ensuite qu'à choisir les couleurs. Alors on va déjà commencer par faire le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous le premier. On va chercher le deuxième, on le ramène à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on fait une première maille serrée pour tenir tout ça. Là, on peut lâcher, le cercle tient. On va travailler à l'intérieur de ce cercle du côté des deux fils. On rentre dans le cercle, on ramène. On fait un jeté, une première maille serrée. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, une deuxième maille serrée. On rentre, on ramène. Un jeté, une troisième maille serrée. Au total, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6. On retire un peu le crochet. On reprend notre fil de départ. Et là, on va tirer dessus pour fermer légèrement pour l'instant notre cercle magique. On fermera mieux après. Donc, on a fini le premier tour. Pour le deuxième tour, on va entrer dans la première maille serrée de départ. On rentre dans la première maille serrée ici de départ. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop fermer, sinon la première maille serrée, elle est pénible à attraper. Voilà. Et dans cette première maille serrée, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Donc une, on marque tout de suite la première puisqu'on va travailler en spirale. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Par la même occasion, profitez pour coincer votre fil de départ. Donc là, on a fait 2 mailles serrées dans la même. On va dans la suivante. On fait également 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même.
Pour tout ce deuxième tour, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6, on va finir avec 12 mailles serrées. Donc quand vous êtes arrivé à la fin, c'est à ce stade-là que je vais personnellement bien fermer mon cercle magique. Donc je reprends le fil et là je vais tirer mieux dessus pour que ce soit bien fermé. Donc on a fini le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc on va dans la première maille serrée de départ, on en fait une. On marque toujours la première. On va dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on fait une seule. Dans la suivante, 2 dans la même. Une, 2. Une seule, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où on aura 18 mailles serrées. Pour le prochain tour, nous allons faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on rentre dans la première, on fait la première maille serrée toute seule. Comme d'habitude, on marque la première. Donc une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée toute seule. Donc on a 2 mailles serrées seules. Et dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Une, 2. 2 seules, une. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Et dans la suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Ou à la fin, nous aurons 24 mailles serrées. Pour le prochain tour, nous allons faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une dans la première. Une deuxième dans la suivante, une troisième dans la suivante. Donc 3 mailles serrées seules. Dans la suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 3 seules. 1, 2, 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 3 seules, 2 ensemble. On aura 30 mailles serrées. Pour le prochain tour, nous allons faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une dans la première, une deuxième dans la suivante, troisième dans la suivante, quatrième dans la suivante. Donc on a 4 mailles serrées seules, 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. 4 seules, une, 2, 3, 4 seules, 2 ensemble, 1 et 2. Vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où nous aurons 36 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 ensemble. De nouveau 5 seules, 1, 2, 3, 4, 5 seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Nous aurons 42 mailles serrées. Donc quand vous êtes arrivé à la fin, donc ici personnellement j'ai déjà coupé mon fil, parce que c'est là où je vais changer de couleur pour la hauteur. Maintenant on va commencer à travailler sur la hauteur. Alors pour ça je vais défaire ma dernière maille serrée. Alors je vais déjà retirer ça, ce sera plus simple. Donc je vais commencer ma dernière maille serrée normale. Et je vais la terminer avec la nouvelle couleur, donc le blanc pour moi. À ce stade, vous savez que je préfère la précaution, donc je vais malgré tout, je vais coincer mes fils ensuite quand je vais travailler, mais là je vais quand même faire un nœud entre eux. Là. Pour le prochain tour, là, on va attraper ça comme ça. Voilà. On va faire un tour, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. La seule chose, c'est qu'on va
Au lieu de prendre, comme on l'a fait jusqu'à présent, la maille normale, donc les deux fils, comme ceci, on va attraper que le fil qui se trouve ici sur le haut. Donc on a le fil du haut, le fil du bas. On va travailler que sur celui du haut. Donc ici, je vois ma première maille serrée là, donc je prends que le fil du haut. Je vais coincer ces deux-là en même temps. Et là, je fais donc ma première maille serrée. Je vais également la marquer, ça sera plus simple. Donc là, maille serrée suivante, donc que le fil sur le haut, maille serrée. La suivante, que le fil du haut, maille serrée. Vous allez simplement faire un tour, une maille serrée dans chaque maille serrée, en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de notre maille, et non pas les deux. Donc on avait 42 mailles serrées, on aura toujours 42 mailles serrées à l'arrivée. Alors quand vous avez terminé votre tour, à partir de maintenant, on va retravailler normalement. Ça veut dire qu'on va prendre les deux fils de notre maille. Donc de la maille suivante, maille serrée. À partir de maintenant, donc, on va travailler maille serrée sur maille serrée. Il n'y a rien qui change. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Sur la hauteur totale que l'on désire, la trousse, tout simplement. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Le nombre de fois nécessaire pour obtenir la hauteur totale de la trousse. Donc vous pouvez la faire plus grande que la mienne, plus petite, c'est à vous de voir ce que vous allez mettre dedans. Donc moi, pour me baser pour la hauteur que je vais faire, j'ai pris simplement, donc j'ai ici un stylo avec lequel je travaille tout le temps, et je vais faire en sorte que cette partie-là, quand je pose mon stylo dedans, ça couvre mon stylo. Donc je vais le faire un peu plus haut que ce que je désire mettre dedans, puisqu'ensuite on va encore faire le couvercle. Donc là, je n'ai pas encore fini toute la hauteur que je veux. Mais si vous désirez changer de couleur en chemin, personnellement, je n'aime pas quand ça fait ce petit décalage-là. Donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement aller, donc ici, c'était là où j'avais mon repère. Dans ma prochaine maille serrée, je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, et je coupe. Là, je vais couper juste un petit peu, pas c'est trop long. Ici, je vais préparer le prochain fil. Donc, on va simplement faire le nœud de base. Là. Et là, vous vous introduisez dans n'importe quelle maille serrée. Ici. On ramène avec une maille coulée. On fait une maille en l'air. On retourne dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Ensuite, on continue tout simplement maille serrée sur maille serrée, le nombre de tours que l'on désire. Et là, si on veut de nouveau changer de couleur, vous avez compris comment faire sans qu'il y ait cette petite démarcation que personnellement, j'aime pas spécialement. Donc là, vous allez simplement faire le nombre de tours que vous désirez avec la même couleur ou en faisant des changements de couleur, c'est vraiment à vous de voir. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, moi personnellement, donc je viens de les compter au total en hauteur, j'ai fait 34 rangs. Donc personnellement, comme je vous disais, j'ai fait 34 tours simplement maille serrée sur maille serrée. Juste voir en centimètres combien ça me donne. 15 cm et demi à peu près. Donc quand vous avez fait, là si, je vais à nouveau vous montrer, donc voilà le stylo sur lequel je m'étais basée, on voit que j'ai fait plus de tours, bien pour couvrir tout le stylo. Donc ensuite, quand vous avez trouvé, vous avez travaillé sur la hauteur que vous désirez, on va simplement, donc ici là où j'avais mon repère, faire une maille coulée, une maille en l'air de plus, couper et tirer dessus. Donc là, on a déjà la première base de fait. Maintenant, on va faire le couvercle. Alors maintenant, pour le haut de notre trousse, moi personnellement toujours avec le rouge, on va refaire le cercle magique. Donc toujours le fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième, on le ramène devant. Là, on fait une première maille serrée pour tenir tout ça. On lâche notre doigt. Là, de nouveau, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. On va fermer légèrement le cercle, on le fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on va, on rentre dans notre première maille serrée de départ. Voilà. Et dans la première, on fait notre première maille serrée. On va dans la suivante, on fait notre deuxième maille serrée. Dans la suivante, on fait notre troisième maille serrée. Donc, quand on a terminé le deuxième tour, de nouveau une maille serrée dans chaque maille serrée, on a toujours 6 mailles serrées. À ce stade, je vais fermer un petit peu mieux mon cercle. Ensuite, le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et deux ensemble. Donc on va dans la première maille serrée, on fait une maille serrée seule. On va plier un petit peu parce qu'il commence à se tordre, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc on a fait la première, donc une seule. Dans la suivante, on va faire deux dans la même. Donc en même temps, j'essaie de coincer le fil de départ, ce qui n'est pas forcément évident à ce stade. Donc une, même espace, une deuxième. Une seule. Deux ensemble. Une seule. Deux ensemble. À ce stade, nous avons 9 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on en avait 9, on en aura 9 à la fin. Le prochain tour, on va faire deux mailles serrées seules, une augmentation. Donc une dans la première. Une deuxième dans la suivante, donc deux seules, deux ensemble. Une, même espace, une deuxième. Deux seules. Deux ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où nous aurons 12 mailles serrées. Prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation. Alors, une. Deux. Trois seules et deux ensemble. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Nous aurons à la fin 15 mailles serrées. Prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors, une. Deux. Trois. Quatre seules, 2 ensemble. Une. Et deux. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 4 seules, 2 ensemble, ou à la fin, on aura 18 mailles serrées. Donc, à ce stade, quand nous avons terminé, au lieu de remplacer déjà avec la nouvelle couleur, j'aime pas la petite marque que ça laisse quand on remplace comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine maille serrée, je vais fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, je coupe et je tire sur mon fil. Donc, ici, le haut est presque terminé. Maintenant, on va. Donc là, j'ai préparé le blanc à part. On s'accroche dans n'importe. Hop, reviens ici toi. Dans n'importe quelle maille que nous avons, on rentre, on ramène, on fait notre première maille serrée. Le fil, je vais le passer de l'autre côté, comme ça je vais le coincer.
Donc on a notre première maille serrée. Là, on va travailler 5 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 5 serrées seules, 2 ensemble. 1, 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin où nous aurons 21 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire 6 mailles serrées seules. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6 mailles serrées seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Nous aurons 24 mailles serrées. Prochain tour, on va faire 7 mailles serrées seules et 2 ensemble. Et ça, on va le répéter sur tout le tour. Donc 7 serrées seules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une et même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À la fin, nous aurons 27 mailles serrées. Pour le prochain tour, nous allons faire 8 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où à la fin nous aurons 30 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 9 mailles serrées seules et une augmentation. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées seules et 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin où nous aurons 33 mailles serrées. Prochain tour, nous allons faire 10 mailles serrées seules et 2 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 mailles serrées seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 36 mailles serrées. Prochain tour, on va faire 11 mailles serrées seules et 2 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où on aura 39 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Donc tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. On avait 39 mailles serrées, on aura toujours 39 mailles serrées.
Pour le prochain tour, on va faire 12 mailles serrées seules et une augmentation. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc 12 mailles serrées seules. 2 dans la suivante, 1 et une deuxième dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin où nous aurons 42 mailles serrées. Alors pour les deux prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Ça veut dire qu'on va commencer avec 42 mailles serrées et on va finir avec 42 mailles serrées. Alors, je vous laisse terminer tout ce tour, simplement maille serrée sur maille serrée. Et le suivant, vous pouvez, personnellement, je vais faire deux tours simplement maille serrée sur maille serrée. Si vous voulez que le couvercle soit un peu plus haut, vous faites plus de tours simplement maille serrée sur maille serrée maintenant. Moi, je ne vais en faire que deux. Donc, deux tours, une maille serrée dans chaque maille serrée. On a commencé avec 42 mailles serrées. On va terminer avec 42 mailles serrées. Alors, quand vous avez terminé vos deux tours simplement maille serrée sur maille serrée, donc deux tours ou plus, à vous de voir, vous pouvez en faire quelques-uns de plus. On va aller dans la maille serrée suivante, on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Là, je vous conseille de couper une bonne longueur de fil, comme ça on pourra, avec ce fil que l'on va laisser ici, coudre la partie du haut à la partie du bas. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons le haut de notre trousse forme crayon. Alors maintenant que nous avons nos deux parties faites, on va prendre le couvercle, si on va appeler ça un couvercle, prendre une aiguille à coudre sans pointe, et là vous allez simplement vous décider où est-ce que vous allez faire la couture. Donc comme moi personnellement, donc je vais faire la couture du côté où je me suis arrêtée, ça veut dire que je rentre ici dans une maille en prenant bien les deux fils sur le couvercle. Je vais sur la base et je fais pareil. Je vais essayer de vous montrer là comme ça. Désolée si ça bouge. Je prends de nouveau deux sur ce côté et deux du côté couvercle. Je vais faire ça sur 7, 8 ou 8 mailles, je ne sais pas à peu près, pour avoir une bonne ouverture, enfin bon, plutôt une bonne attache. Pas que ça se défasse. Donc, quand vous avez fait ce procédé sur le nombre de mailles que vous désirez, je vais passer mon fil là, pardon, à l'intérieur. Ici, je vais faire un nœud et là je vais simplement cacher mon fil sur une bonne longueur, donc je le passe sous certaines mailles sans passer l'autre côté bien sûr. Voilà, ensuite il n'y a plus qu'à couper. Donc ensuite, personnellement, j'ai déterminé où je voulais mettre le bouton. J'ai simplement cousu le bouton, donc rien, pas besoin de... C'est pour ça que j'ai avancé un petit peu la vidéo, parce que c'est juste coudre le bouton. Ensuite, c'est simple, je me suis accrochée donc, sur le haut. J'ai fait un nombre de mailles chaînettes pour pouvoir passer, accrocher mon bouton, et j'ai terminé de l'autre côté. Donc j'ai laissé deux mailles entre l'endroit où je me suis accrochée et l'endroit où j'ai terminé. J'ai fait 15 mailles chaînettes pour cette taille là et ça vous donne ce que je vous disais, ça vous donne ce superbe résultat très joli, sympa et original, et vous avez pu le remarquer, absolument pas du tout compliqué à réaliser. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.